Première grande production américaine à choisir notre île pour décor. Un vrai film d'action et de guerre, l'histoire d'un soldat des forces spéciales devenu mercenaire, engagé pour retrouver une journaliste. Au départ, le film devait être tourné en Birmanie où se situe l'action, mais la Birmanie a fermé ses portes suite à la crise Covid et il a fallu trouver un autre lieu. Si l'équipe a fini par choisir La Réunion, c'est grâce au contact et au travail acharné de producteurs et réalisateurs locaux. Le financement de la région a aussi été une incitation. Le réalisateur, Santiago Manes Morena, serait même très pressé d'arriver à La Réunion et de repérer les lieux de tournage. Alors vous aurez peut-être l'occasion de croiser dans les semaines à venir Ben Kingsley, l'inoubliable interprète de Gandhi, Guy Pearce, un autre acteur à la filmographie impressionnante, dont le rôle du méchant dans Iron Man 3, ou encore Maggie Q, partenaire de Jackie Chan dans Le Tour du Monde en 80 jours. La Réunion s'affirme depuis quelques années comme terre de tournage en accueillant des productions françaises. Sa renommée est aujourd'hui prête à dépasser les frontières.